Mais mange pas ça, c'est dégueulasse. On va se mettre à l'eau, tranquillou. Mais c'est pas possible là, qu'est-ce qui se passe? 3, 2, 1, c'est parti. Concentration maximum. Nouvelle mise à l'eau, voilà. Donc cela, la connaît, est déjà venu lors d'un road trip et mauvaise nouvelle, l'eau est très très chargée, très marron. Ah, il fait que pleuvoir. D'ailleurs, dis-moi dans l'espace commentaire si toi aussi chez toi il fait que pleuvoir. Vraiment cette année c'est une année de pluie. On a eu autant les années tu vois de sécheresse machin, mais cette année c'est une année de pluie quoi. Et du coup voilà, on se retrouve avec une eau extrêmement chargée et pour le silure très bon, pour faire du vif, du cheven. Plus difficile, bon on va voir quand même, mais pas difficile, je pense, là, trop chargé l'eau. Bon, c'est pas grave, il faut faire avec. Mais bon, voilà, quoi, tu vois le temps aussi, toujours très nuageux, quelques petites averses, des éclaircies, mais on n'a vraiment pas, on est au mois de juillet, les gars, c'est ouf. Juillet, on se croirait plutôt, je sais pas, un début de printemps ou fin d'été, hiver, je sais plus. Voilà, dis-moi chez toi que c'était au mois de janvier, février, au mois d'août, je sais plus. On va se mettre à l'eau, tranquillou. Alors, je pense que tu peux voir, tu vois, la mise à l'eau, il y a des intelligents, tu vois, qui ont fait du feu, qui ont tout dégueulassé, ils oublient que c'est une mise à l'eau, que normalement les bateaux, tout ça peuvent venir. Et voilà, tu vois. Ah oui. Encore une intelligence, quoi. Bref. Bon, mais comme tu vois, l'eau est très chargée. Elle a dû se rafraîchir aussi, je pense. Trop de pluie, tue la pluie. Et voilà, quoi. Allez, on va mettre la barre de sécurité. Ah. Hop. Ah, c'est sûr que cette année, on n'a pas de coup de soleil, les gars. Enfin, pour l'instant. Je sais pas. Je sais pas si un jour le soleil partira ou pas. On le voit de temps en temps, là, mais un jour ou deux. Ouais, il fait coucou et après repart. Ah, elle est fraîche. Hein. Ouais, elle a dû baisser en température, l'eau. On est plus sur une eau à 20 et quelques. Vraiment elle est très très très, c'est même pas chargé, c'est très marrant quoi. Bon j'ai dit c'est bon pour les silures, mais par contre pour les vifs tout ça ça va être difficile. Mais ouais, on verra bien, écoute. On va tester puis on verra ce qui se passera. Croisons les doigts, toujours pareil. Hein. Bon ben j'ai sorti le pull moi aussi, comme monsieur. Moi c'est des black bass. C'est mignon. Bon ben on va commencer à pêcher. J'ai pris des asticots rouges et jaunes parce que c'est le plus voyant pour une eau comme celle-là. Et puis on va voir si on y arrive ou pas. On continue. Voilà, on est dans l'eau. Bon, finalement, elle n'est pas si froide que ça, ça va. Mais comme j'ai dit, elle est très chargée, ça va être la folie. Oh, aïe, aïe. Donc là, on va essayer de rapprocher de la berge d'en face. Hein, pour voir si on peut faire du vif, on va faire en remontant un petit peu. Pour pouvoir descendre. Parce qu'on avait été déjà venu ici lors d'un road trip il y a 2 ans. Lui, on avait fait toute la partie basse. D'ailleurs, la vidéo est en ligne sur la chaîne si vous voulez la voir. Et du coup, ouais, donc là, je préfère, tu vois, essayer de remonter, voir un petit peu. On n'a pas fait ce côté pour du chub. C'est ça qui va être le plus difficile parce que le silure, tu vois, lui-même, avec une eau comme ça, c'est très, très, très bon, tu vois. Mais ça va être le cheven. Hein. L'eau est très, très chargée, quoi. Et le cheven, tu sais, c'est un poisson qui mange à vue, quoi. Donc on va voir, on verra bien, mais c'est difficile. Je sais pas toi, mais nous, hein, ça arrête pas. Hein. Pluie, soleil, soleil, pluie. Je sais pas dans quel pays on est, mais ça fait bizarre, quoi. Et après, tu dis oui, réchauffement climatique, réchauffement, refroidissement, ouais, climatique, hein, non? Bon, je vais pêcher, je vais fronder là-bas, là. Attention, avec des asticots, c'est pas évident. Ah, ouais, c'est déjà pas mal. Mais je sais pas ce que je voulais faire. Ouf, peut-être pas trop. Non, j'ai dit quoi? J'ai dit pas trop, mon gars. Ouais, voilà, merci. Allez, deuxième tentative. Oh. Je sais pas ce qu'il faut. Là, voir ma pime. Quand l'eau est claire, bien sûr, hein, parce que.
L'eau est pas claire. Voilà. On n'est pas en Écosse toujours. Non mais oh. Comme tu peux le voir, on revient à la mise à l'eau. C'est sur un courté. Ouais, l'eau elle est extrêmement marron. Impossible à faire un vif. Donc on a décroché un ou deux vite fait, mais on va pas insister. Du coup, tu vas nous suivre. Parce que j'ai une petite idée en tête et je sais où est-ce qu'on va aller. On va pas finir la journée comme ça. Ça c'est clair et net. Donc du coup, ben, nous, le temps qu'on aille truquer à l'autre endroit. Mais on va te proposer une autre pêche. Voilà, une autre pêche. Et j'avais hésité d'ailleurs ce matin à y aller. J'ai dit est-ce qu'on fait le silure. Je suis un peu blasé parce que tu veux. Là les silures sont en train de sortir de frais. Et enfin, sont même bien sortis de frais. Et du coup là on peut pas. Sans vif, je peux pas. Donc oui, je pourrais pêcher au leurre, tout ce que tu veux. Mais voilà, la pêche qu'on pratique au nous, mais je peux pas. Donc je préfère bifurquer sur l'autre pêche. Voilà, donc madame. Elle a fini. Elle avait un monsieur qui était tout nu sur le bateau. Elle a maté coquine. Hein. Bon bref, allez, en tout cas, on bifurque sur l'autre endroit. Et on va faire une petite pêche un petit peu spéciale. On croise les doigts que ça fonctionnera. Mais en tout cas, tu nous suis. Voilà, toi, pour toi c'est de suite. Et pour nous, c'est presque de suite. Allez. Bon. Ça y est, on a atterri au lac. On est allé vite, hein. Mais oui, ça du va coup, vite. Voilà, on retourne au lac qu'on avait déjà fait un épisode dessus là, notamment là où j'avais fait un black bass et où le gros brochet m'a pris le black bass. Hein. Bon bref, on est retourné là parce qu'on a une petite idée. Voilà, on va pêcher un peu de tout, mais il y a un objectif. On va peut-être faire un petit battle, un drop shot pour les perches. Voilà, donc on va voir tout ça. Donc n'hésite pas dès maintenant, Team Jojo, Team Toto, tu nous le mets dans l'espace commentaire. Je pense que c'est moi qui vais gagner. Donc du coup les flottes sont déjà montées, on va aller très très vite. Du coup voilà, on est sur le grand lac qui est très peu pêché, tu vois. Je suis très étonné que ce soit pas plus pêché que ça. Après c'est vrai que le tournage on les fait beaucoup en semaine pour éviter justement un afflux, tu vois. Et mais voilà, du coup il y a peu de monde. Bon, il y a un peu de vent, ça sera peut-être pas dérangeant, on verra pour, tu vois, se laisser un peu porter. Et tout ça, donc voilà, objectif aujourd'hui, vraiment, c'est pas forcément pêche du brochet ou black bass, ça va être ce battle à la perche, et il y a du cendre aussi, mais bon, voilà, objectif perche, j'ai envie de tester pas mal de choses, j'ai beaucoup de petits leurres à vous montrer, là, de chez Noz, des trucs comme ça, c'est des trucs vraiment pas chers, et qui pourraient peut-être faire le taf pour les perches, donc on va voir ça de suite, mon petit pote. Allez les gars, on se met à l'eau, bon l'eau est claire si je trouve, hein, par rapport à la fois qu'on était venu là. Wouh. Bon, c'est l'ensemble mal hein, quand c'est mis à l'eau. Donc j'ai fait un petit montage drop shot sur une des deux cannes. J'ai pris deux cannes là. Et l'autre, pour faire du worm ou waller pour le broc. On verra si jamais. Donc je pense qu'on va faire un petit tour vite fait comme ça quand même. En prospection pour voir quand même s'il y a du black bass et autres. Et ensuite on fera le défi. Ah, c'est la boîte à tout. Le silure. Ouais, la canne acier. C'est le bordel. Je vous rassure, j'arrange mieux chez moi, mais là... Ah, j'ai pas mis de vernis, bah j'ai les ongles caca. Erca. Normal, on a pêché juste avant. Je me lave, hein. Vous croyez pas que voilà. Donc là, j'ai pris l'armement là, pour... Si la mienne est débrochée, donc c'est un peu plus épais que... Comme un fil nylon, là, tout simple. Bah là, il n'y a plus rien de spécial, là. Enfin, t'es là, monsieur le soleil. Mais ben... Ah, je parle à monsieur le soleil. Je l'engueule un peu. Je lui dis qu'il est un petit peu en retard cette année. Hein. Voilà. Dites cuillère en 3. Ça va très bien. Allez, c'est parti. On va essayer ça. Je voulais pas ma force. Ah ouais, elle se tourne hyper bien. Ah, elle est claire l'eau. Putain, je vois trop bien là. Bon, du coup, mon petit pote, on ouvre la boîte à. J'allais dire la boîte à l'heure, en fait, c'est la boîte à merdier, tu vois, la boîte à bordel. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Ouais, j'ai envie de tenter un gros leurre dès le départ. Tu vois, j'en ai un qui me plaît bien, tu sais, le Westin, celui-là, là. Pour si jamais il y a du broc, tu vois. Après, j'ai du leurre soupe aussi. Hein. Aïe aïe aïe. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses là, petit Westin, tu vois, comme ça. Enfin petit. Bon après il est pas géant, mais moi j'aime bien, tu vois, celui-là. Donc on va tenter ça là, et après petit coup de worm, et ensuite défi.
Battle perche, cendre et tout le tintouin quoi. Enfin surtout perche normalement. On va voir ce qui se passe. Tu vois, c'est vraiment la boîte. Tu sais, les boîtes comme ça, je sais pas si toi tu fais pareil. Mais genre, tu ranges tout correctement. Un jour, tu sais, tu te places bien les petits lèvres, les machins, la cuir là, le truc là. Finalement, à la fin, ça devient n'importe quoi. Bon, bref, c'est toujours pareil. Et j'aime bien le petit Westin. Je crois qu'il flotte d'origine quand il se mettra à l'endroit. Mais c'est pas possible. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qui m'a jeté un sort dans ce pays? Voilà, je disais, il flotte comme tu vois. Par contre, il coule hyper vite et bien. Tu vois ce jaune pétard fluo là. Ça, ça peut être vraiment pas mal, je sais pas ce que t'en penses. On va le tester. Et ensuite, ouais, on bifurquera sur autre chose, quoi. Allez, on va commencer. On va commencer, quoi. Je sais pas quel côté. Ouais, le côté gauche. Allez, let's go. Il y a un petit Westin. Là, je sais que tu vois que je peux le mouliner tout doucement pour rester en surface ou un peu plus vite pour qu'il plonge. Là j'aime bien ce leurre, tu vois, j'ai encore validé aucun poisson, tu vois, je sais pas si on le voit. Putain, franchement comment il est flashy celui-là. Après c'est peut-être pas bon non plus. Hein. Je sais pas si par contre il est à. Il est silencieux, ouais. Non il habille. Hein. Youpi, bon poisson. Allez. Premier basse. Régal. Allez, un petit tout, les gars. Petit la coulée. Regardez, c'est là. Mini pouce. Oula, oula, frère. On les compte pas, si. Il y a beaucoup de petits. J'en ai vu un gros qui est passé tout à l'heure. Peut-être essayer, peut-être en plein eau avec des leurres un peu plus conséquents. C'est vrai que les bordures, il y a beaucoup de petits. Bon allez, il est temps de se mettre en drop shot et au plomb palette pour moi pour faire le défi de qui fera le plus de perches. Cette fois-ci, j'ai pris la bourriche flottante. Voilà, c'est moi qui vais gagner et pas toi. Allez, on y croit. Allez, le défi perche va commencer. Ah, du coup, on va allumer le co-sondeur, comme ça, si on peut voir les bancs, ça sera plus facile. Hein. Si jamais, hein. Pas sûr qu'on les voie. Hein. Alors, on va régler la sensie. Cette fois-ci, on va la mettre un peu plus forte que quand on pêche au. Mais au silure, hein, forcément. Parce qu'on va essayer de choper les bancs. Donc, on va aller se rapprocher sur les hauts fonds, puisque normalement. Donc là, on est à 22 degrés l'eau. Ah, là, il y a un trou. C'est des leurres que j'ai eu de chez Noz. Tu vois, et je pense que ça va être hyper efficace. Les perches, c'est pas des grosses grosses, tu vois. Donc, du coup, là, je vais en sortir un. Je sais pas si tu vas bien voir si c'est rouge. Tu vois, ça va être hyper efficace. Donc, on va tenter avec un comme ça. Déjà, alors je vais le monter le plus simplement possible. Et ensuite, on va changer de couleur et on va mettre un petit chat, d'autres comme ça. J'ai plein de trucs de toute façon. J'ai des créatures. Ouais, un tout petit blanc. Ça, ça peut faire le taf, tu vois. Allez, on va commencer comme ça. Et voilà, donc du coup, on est à double. Et donc là, on va essayer de chercher le haut fond. Voilà, t'as vu ce que j'ai mis là? Petite créature. Et là, ça devrait faire le taf si jamais elle soit active comme la dernière fois. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Donc là, je suis à 8 mètres, mais j'ai vu qu'il y avait des petites taches, donc on va aller voir directement au fond. Là on a pris la bourriche si jamais parce que pour pas remettre les perches de suite. Hein. Voilà je vais essayer un peu de mou parce qu'il faut dandiner. Ouais, il y a plusieurs méthodes aussi, on peut décoller un peu le plomb mais le but c'est de faire sautiller Taylor et non pas le plomb en bas. Si je tiens une touche, faut pas forcément ferrer de suite parce que il peut y avoir une deuxième perche qui prend. On va voir si on trouve le banc et on va savoir si elles sont. Ah! Et de une! On va se repérer pour que l'on ait. Ça va 8 mètres. Mmh.
Ah, t'en bouge pas, ma pèse petite. Allez, de une. Oh putain, elle est repartie. Putain, j'ai pas mis à l'envers là. Ah non, c'est parce qu'il était au grand ouvert. Voilà, allez, c'est reparti. Entre les bancs. Ah, poisson, un écro. Poisson direct, est-ce 6 mètres, c'est ça. Faut se repérer là. Elles sont là, on a le banc, regardez les gars. J'en ai raté une. Ah. Ah putain, je les sens quoi. Elle est en plein sur le banc. On va voir si on en fait une deuxième. Ça se voit là. Ouh, ça me vole. Ah, poisson, poisson. Ah, raté. Aïe, 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 elle est petite. Ah, ça va mieux avec deux branches. Allez, encore une petite. Tac, regardez-moi ça, la mini. Tu viens? En fait, j'ai capté. Tu digues, tiens, normal, tac. Par contre, tu descends, mais tout doucement. Quitte à, tu vois, retenir le jig. 3, 4. Tu vois? Ouais. Doublé. Aïe. Vas-y, sans, sans, vite, vite, faut y aller. Allez, ça y va. Il faut aller en bas. Vas-y, sont là. Oh, raté. En fait, je décolle et je bloque. Et 2-6. J'ai une bonne nouvelle, je suis en train de gagner. Bon allez, bourriche. Allez, encore une. Mini, regardez ça. Celle-là, c'est la mini pousse, elle est verte. Oh, le banc, il est juste sous moi. 7 à 5. Bon allez, on va avoir un petit coup. On n'a pas beaucoup de poissons, mais bon. Ouais, c'est bien. Il faut avoir la bière. On a de la saguaro, ah, tu connais. Elle te fait des bulasses mon gars. Oui. Je pourrais mettre des vifs là-dedans. Ah, là. C'est pas fameux, faut trouver les perches, c'est difficile. Hein. En plus le vent il est pas facile. Et de 8. De 8. Il vient de me dépasser de 1.9 à 8. Bon, ce qu'on va faire, on va se retrousser les manches. Mais oui, même si j'en ai plus, ben, c'est comme ça. Et c'est parti, concentration maximum. Allez, celle-là, là, les gars. La dixième. J'ai dépassé ma dame. Ouais. Déjà, j'ai pas vu le banc. C'est moi qui t'ai dit que j'étais là aussi. Hein. Ah, ça y est. Ça y est. Allez, c'est pas facile avec le vent. On va pas des grosses, c'est ce que des petites, hein, mais bon. Toujours au plan palette. Hein. Ah, oh, putain, je les rate, les gars, je les sens, hein, tac tac tac, mais. Voilà, je l'ai. Ça va, elle a pas trop de bobos, impeccable là. Ah, j'ai le banc qui est dessous. Et de 11, on dirait que. Le problème c'est que tu es obligé de ferrer verticalement, laisse tomber toi. Soit j'en ai senti une autre là, je suis pas sûr. Ah si, yes. Je l'ai, celle-là peut-être vers la bouche. Yes. Allez. Là ça envoie du pâté là. Regardez-moi ça. Combien? 12. Allez, on y revient. On reste là tant qu'il y a le banc. Ou pas, je sais pas si le banc est là, mais bon. Ouais, t'es obligé de ferrer vachement verticalement, donc je suis désolé pour le plan, mais. Ah, poisson, je l'ai ou pas? Ah, j'ai des crocs. Là, paf.
je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Ça respire la victoire. Nous sommes à 13 à 14 pour monsieur. Là, je vais en faire deux d'affilée. Ben non, je peux pas, mais si j'en mets, admettons. Mais chaque mieux. J'entends bien. C'est un bébé. Là, faut pas que je vois un chat parce que je suis capable de le ramener à la maison et lui il va pas aimer. Il fait une interaction là. Ah, il en a des gros. T'as de la chance. Oui, oui, oui. Ah, je suis dégoûté les gars. On avait fait un doublé. Et c'est décroché juste dans mes palmes. La deuxième. Ouais, elles sont là, je sais pas pourquoi elles sont bien là. C'est un peu plus grosse celle-là. Après ouais, c'est pas des grosses grosses, généralement qu'elles sont en banc. Là. Ah, j'ai... Ah, ma petite bichette. Et de 15 à 13. Oh, je l'ai rattrapé. Oh oui. Zinitals, Vorticops. Allez. Ouais. Eh ben, mauvaise nouvelle encore. 20 à 20. Voilà, égalité. On a fait encore 40 perches à nous deux. Boum. On arrive presque à la fin, mon petit pote. Combien là? Score 22 à 21. 22 à 21. Allez, on va faire, vu que c'est la fin, un kit ou double. Celui qui fait une perche, le premier qui fait une perche en tout cas, il a gagné la manche. Okay, alors qui? 3, 2, 1, let's go. Le premier qui fait la perche, il a gagné. Quoi, cette méthode elle est radicale avec le plomb palette. Hein. Ça a été une dinguerie. Malgré le vent, on a difficulté là, mais ah ben, malgré ça. Allez, qui? Parce qu'elles sont plus très actives en plus les perches, donc on a espéré en faire une à la fin quoi. C'est une perche avec des algues. Ah, mais la meuf elle me dit oh, j'ai poisson et c'est gros. Ah ouais, c'est clair, c'est gros quoi. Une algue quoi. Bon, mais je crois que c'est la fin de toute façon. C'est la belle. Ça va signer la fin tout ça. Bon, mais c'est moi qui ai gagné. Hein. D'un point. Bah oui. Ah, mais si, t'en as un poisson. Bah oui, j'ai un point. Ah, bah on a égalité alors. Bah oui. Ah, elle a fait une perche. Si, je fais une perche avec une œuvre. Bon, bah égalité, bah en fait, c'est toi qui as gagné puisqu'on a fait kit ou double alors. Non, non, elle a gagné, madame. T'es contente, t'es quoi? Elle a gagné. On a fait plus de, je sais pas combien, 40 et quelques. 44. 44 perches, on a fait avec le vent qui était difficile en plus. Hein. Et ouais, mon pote, c'est la fin de la vidéo. Et du coup, on va faire le release des perches. 44 perches, donc voilà, madame a gagné. Je te dis, c'est comme ça. En tout cas, c'est bien régalé, mais c'était ultra difficile. On avait double vent. Un de côté, un de gauche, un de droite. Bref, on tournait en rond. C'était là, c'était tourbillon. Allez, on va pas plus tarder. On va vous montrer tout ce qu'on a fait. Bon, oui. Bref, c'est vrai que c'est pas des grosses perchettes. Hein. Enfin, des grosses perches. De mais prêt, voilà quoi. Allez, vas-y. Regardez-moi toutes les petites belles. Hein. Allez. Et ouais. Repartent toutes, regardez-les quand c'est mignon et quand. En tout cas, on espère que cette vidéo t'a fait plaisir comme d'habitude. C'est tout le but de te divertir à la pêche avec nous, avec Retoufiche. On t'amène dans nos aventures. Dans et nos tout. Aventures. Eh oui. En tout cas, n'hésite pas à laisser le gros pouce bleu pour nous faire plaisir, mais aussi pour nous récompenser. N'hésite pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram et Facebook. Voilà, tous les réseaux sociaux, tu tapes Retoufiche. Et voilà, tu nous mets des petits commentaires, des photos de tes poissons, etc. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Hein. Ah bah oui, moi il me tarde juste ce soir de regarder encore Game of Thrones. D'ailleurs, dis-nous dans l'espace commentaire, quelle est ta série préférée? Moi, voilà, la mienne, truc qui n'a rien à voir avec la pêche, hein. Mais ta série ça. Préférée. Moi franchement, pas, si, la série que j'ai kiffée et qui me tarde de voir la suite, c'est The Boys. Je sais pas si tu connais, déconseillé aux enfants, vraiment, cette série-là. Et si tu connais The Boys, dis-moi-le dans l'espace commentaire, moi en tout cas j'ai kiffé. Et ben moi aussi. Et on te dit à la prochaine vidéo, porte-toi bien, fais-toi plaisir à la pêche. Hein. Prends soin de toi.
prenez soin de la nature et de vos poissons, ramassez vos déchets, c'est pas interdit, c'est surtout recommandé. Ouais, même si c'est pas à toi, prends, si tu vois des déchets à côté des poubelles, des fois il y en a beaucoup, j'ai des gens comme ça qui sont, voilà, qu'est-ce que tu veux y faire, c'est dégueulasse. Pas. N'hésite pas à le faire, tu seras content de faire tout ça, tu fais un geste pour la planète, tu fais un geste pour toi-même en tout cas, et nous sur ce, on te dit à la prochaine vidéo, ciao, ciao. En vrai, c'est moi qui gagnais. Non. Si. Non, t'as si. Vu, là, si, c'est moi qui gagnais. Alors si t'as gagné, tu fais un strip fishing. Ouais. Ah, à poil, ah, à poil. Non, c'est le strip poker, ça compte pas la pêche. Allez, enlève juste le haut. Ouais, d'accord, elle va le faire en plus.